couverture. L'audience est ouverte. Nous allons aujourd'hui, ce matin, poursuivre avec l'interrogatoire de la témoin Sa Siek. La défense de Nguyen Chir a la parole en premier. Cependant, avant de se faire, la Chambre demande maintenant à la greffière de faire rapport sur la présence des parties. Sa côté, Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes, à l'exception de Yeng Sari, qui, lui, est dans la cellule de détention temporaire. Dans sa cellule de détention, se reprend l'interprète. Yeng Sari a en effet renoncé à son droit de participer directement à l'audience dans le prétoire et a remis le document idoine à la chambre. Le témoin suppléant TCW 338 est quant à lui dans la salle d'attente. Sera dans la salle d'attente à partir de 10h. Le témoin a indiqué qu'il n'a à sa connaissance aucun lien de parenté ou par alliance avec les parties ou les parties civiles. Et le témoin a déjà prêté sa main. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président. Merci. La Chambre va maintenant se prononcer sur la requête de la défense de Yeng Sari. La Chambre est en effet saisie de la demande de Yeng Sari présentée le 21 août 2012. Demande par laquelle Yeng Sari indique qu'il souhaite participer à l'audience depuis sa cellule de détention. Le médecin a examiné Yeng Sari et remarque qu'il est fatigué, qu'il souffre de maux de dos. Il a aussi des douleurs aux jambes et Yeng Sari ne peut donc pas demeurer assis pendant de longues périodes et se mouvoir facilement. Le médecin a donc recommandé à la Chambre que Yeng Sari puisse suivre les débats depuis la cellule de détention. Le médecin a toutefois indiqué clairement que Yeng Sari était alerte mentalement et qu'il était tout à fait capable de suivre les débats. Il y a dans la cellule de détention des dispositif permettant à Yeng Sari de suivre les débats. La Chambre se prononce donc en faveur de la demande. Yeng Sari peut donc suivre les débats depuis la cellule de détention par moyen audiovisuel et ce pour toute la journée. Service technique, veuillez vous assurer que le lien audiovisuel soit établi entre le prétoire et la cellule de détention. Sans plus attendre, la parole est donnée à la défense de Nguyen Chir pour son interrogatoire du témoin. Maître Pao, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous et toutes, et bonjour en particulier à vous, Madame So Siek.
Avant de commencer, j'aimerais vous dire que je n'ai pas beaucoup de questions à vous poser aujourd'hui. J'espère pouvoir boucler mon interrogatoire en 20 minutes. Pour votre gouverne, donc, je vous l'indique. Madame, ma première question porte sur votre audition par les enquêteurs du bureau des juges d'instruction. Audition qui s'est tenue le 24 mars 2009. Le procureur vous a parlé de cet entretien et j'aimerais vous demander si vous vous souvenez aujourd'hui d'avoir parlé avec les enquêteurs. Réponse. Oui, j'ai en effet eu un entretien. La défense. J'aimerais vous lire quelques extraits de la transcription de cet entretien du 24 mars 2009. Et je vais maintenant citer les ERN pertinents. Le document, la cote du document est D200 barre 6.8 ERN en anglais 00 donc en anglais 00 83 48 63 à 70 en Khmer 00 83 34 90 à 97 et en français 00. Quatre-vingt-trois, cinquante-neuf, quatorze à 21. L'extrait que j'aimerais vous citer se retrouve à l'ERN en anglais 00 8 3 4 1 8 6 7 à 6 8. Et en Khmer 00 8 3 3 4 9 4 à 9 5. En guise d'introduction, j'aimerais vous dire que cela porte sur la politique permettant à un soldat, ou la politique voulant qu'un soldat cambodgien devrait tuer 30 soldats vietnamiens. Là, je vais maintenant citer la transcription. Il s'agit donc de la transcription de la bande sonore de cet homme. Donc, question. Daravan, j'aimerais vous poser plus de questions. Quand vous travailliez au ministère de la Propagande, et toujours, avez-vous déjà entendu le principe voulant qu'un soldat Khmer Rouge devait faire face à 30 soldats vietnamiens dans les nouvelles? Vous posez la question au moment des combats? Et l'enquêteur vous répond: oui, pendant la guerre. Et pendant que vous travaillez au ministère de la Propagande, avez-vous entendu que l'on ait diffusé ce principe? Et vous répondez, je cite, je ne m'en souviens pas. L'enquêteur vous demande si vous est-il arrivé d'entendre parler de ce principe aux informations. Vous répondez, je ne me souviens pas, j'ai tout oublié. L'enquêteur vous demande, mais vous est-il arrivé d'en entendre parler? Essayez de vous en souvenir. Tente. Vous répondez, je ne me souviens rien de tel. Si j'ai entendu dire quelque chose comme ça, je l'ai oublié. L'enquêteur, d'accord, vous ne vous en souvenez pas. Vous ne vous rappelez pas si cela a été diffusé ou non? Vous répondez, c'est exact. Voilà donc ma citation et la question que j'aimerais vous poser, sur la base de ce que je viens de vous lire.
est-il juste de dire qu'en avril 2009, quand vous avez été entendu par les enquêteurs du bureau des juges d'instruction, est-il vrai donc que vous ne vous souveniez pas si ce principe opposant un soldat khmer à 30 soldats vietnamiens avait été diffusé à la radio pendant l'époque du Cambodge démocratique? Est-il juste de dire donc qu'en 2009, vous aviez soit oublié que vous ne le saviez pas? Réponse. En effet, j'ai donné l'idée aux enquêteurs que cela faisait partie de l'émission diffusée pour les soldats. Cela signifiait en fait que un soldat Khmer pouvait faire face à 30 soldats Yon. Mais j'ai dit que j'avais oublié, car cela s'est produit il y a longtemps. Maître Pas, merci Madame pour cette réponse. J'aimerais que l'on parle maintenant de la semaine dernière. Le 16 août, le procureur vous a posé des questions à ce sujet. Et l'on peut retrouver donc aux pages 74 et 75 de la transcription, du projet de transcription en anglais et page 61 du projet de transcription en khmer. Le procureur vous demande. Au sujet de cette politique des 30 soldats Yon, et je cite page 74, donc je cite ici le procureur. Donc, il y avait un paragraphe dans ce document qui vous a été lu par les enquêteurs, et j'aimerais vous en parler brièvement. Un peu plus loin, le procureur cite le passage en question, je le cite donc le procureur. Le parti nous a donné les instructions que nous devions essayer de détruire autant d'ennemis que possible et de préserver nos forces dans la mesure du possible, c'est-à-dire au maximum. Nous étions une force plus petite qui devait attaquer une force plus nombreuse, et c'est pourquoi nous devions conserver nos forces au maximum, essayer de tuer autant de membres des forces de l'ennemi que possible. C'était notre slogan. Pour ce qui est des chiffres, en fait, chacun d'entre nous devait tuer 30 Vietnamiens. Si nous pouvions mettre ce plan en œuvre, nous allions sûrement remporter la victoire. Fin de citation. D'un officiel. Dans sa traduction française. Madame Saucier, que vous souvenez-vous d'avoir entendu donc un tel principe qu'un Khmer devait être en mesure de tuer 30 Vietnamiens? Et votre réponse, madame, a été, je ne suis pas certaine de m'en souvenir. Madame Sosiek, est-il juste de dire que même la semaine dernière, vous ne vous souveniez pas s'il y avait eu de telles émissions radiophoniques pendant l'époque du Grand Cambodge démocratique? Après avoir déposé, je me suis souvenu des entretiens que j'avais donnés il y a quelques années. Et je remarque que j'ai dit cela et j'ai entendu de tels messages envoyés aux soldats sur la radio à l'époque. La défense. Merci. Le procureur vous a aussi lu
des extraits de votre déposition devant le juge d'instruction. Le procureur a cité une question de l'enquêteur qui porte sur le paragraphe que je viens de vous lire. Je cite donc. Les enquêteurs vous demandent, mais ce paragraphe était-il la ligne du parti? Et vous répondez, c'était la ligne, en effet. D'après ce que j'avais compris, nous fait référence aux hauts dirigeants, parmi eux Pol Pot et ses adjoints. Question. Que signifie écraser, selon vous? Que signifie ce terme de propagande? Réponse. Le terme écraser, s'il est pour le peuple, signifie tuer. Si c'est pour du matériel, cela veut dire détruire. Fin de citation. Et le procureur vous demande, donc c'était toujours la semaine dernière, est-ce là le reflet de ce que vous avez dit aux enquêteurs? Et vous répondez, oui, mais ce n'était pas clair quand j'ai répondu, mais maintenant que vous me rafraîchissez la mémoire, je peux le confirmer. My question to you today, Madame Saucy. La question que j'aimerais vous poser donc, c'est le nous dans le paragraphe que je viens de vous lire. À qui cela fait-il référence, selon vous? Réponse. Ici, nous fait référence au homme-homme, mais chef. Question. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser aujourd'hui, madame. J'aimerais simplement indiquer que nous allons demander que les passages pertinents de l'entretien devant les juges d'instruction soient transcrits, car il est clair que ce qui se produit pendant ces entretiens, c'est que l'on souffle en fait des réponses aux témoins qui, par la suite, 3 ans plus tard, déposent sur ces sujets, même si à l'époque elles ne connaissaient pas. Cela en 2009. Je ne donnerai pas plus de détails afin de ne pas compliquer le témoignage de Madame Sosiek, mais je dis simplement que nous allons déposer une telle requête cette semaine, je crois. Le président, la parole est au procureur international. Le procureur, merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas ici retarder, hein, du moins la procédure, mais simplement pour des fins de précision, j'aimerais me pencher sur la question de faire de tels commentaires comme ceux qui ont été faits devant le témoin. C'est inapproprié. Cela semble suggérer au témoin certaines allégations sur ses dépositions précédentes. Si le conseil souhaite présenter des arguments sur le sujet des dépositions précédentes du témoin, il devrait le faire sans la présence, hors de la présence du témoin. Et il n'y a pas besoin de simplement annoncer qu'il entend déposer des requêtes, et s'il sent le besoin de le dire à l'oral, qu'il le fasse lorsque le témoin quitte le prétoire. Il était tout à fait approprié dans ces dans le cadre de l'enquête, de présenter des documents aux témoins pour leur rafraîchir sa mémoire. Le président. Merci beaucoup. Si l'une quelconque des parties souhaite présenter une requête ou des arguments sur le sujet des dépositions de témoins, veuillez
invoquer la règle, ou plutôt vous conformer à la règle 92 du règlement intérieur. Selon la règle 92. Ces documents doivent être déposés par écrit. La Chambre laisse maintenant la parole à la Défense nationale de Nuoji. Maître Sonaron. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les juges, bonjour. Et bonjour, Madame le témoin. J'ai en effet quelques questions à vous poser. Cela prendra une quinzaine, 15-20 minutes. D'abord, excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Sonaron, je représente Nuoji. Madame Sosiek, pouvez-vous nous dire en quelle année vous êtes entrée dans la Révolution ? Réponse. C'était en 1972. Question. Mais quel âge aviez-vous ? Réponse. Bien, je suis né en 1966, donc, d'après mes calculs, j'avais 14 ans, 14 ou 15 ans. Question. Qui vous a fait entrer dans la révolution? Réponse. Je m'occupais du bétail. Et je pouvais chanter dans le style ayay. Après le coup d'État, un chef du village, du nom de Pomme, est venu me voir. Et il voulait créer en fait un groupe artistique du district. Et moi j'y ai travaillé pour ce groupe. Question. Vous dites que le comité du district vous a fait entrer dans le parti alors que vous étiez très jeune. Pouvez-vous dire au tribunal comment ? On vous a fait entrer dans la révolution, si vous vous en souvenez. Réponse. À l'époque, le chef du village n'est pas entré dans les détails, donc il n'y a pas de procédure en tant que telle. À l'époque, on avait créé un groupe de milices locales, même si je ne savais pas qui en étaient les chefs, et je ne savais pas non plus qui dirigeait les mouvements. Question. Non, la question était plutôt celle-ci. Je parle ici des instructions. Ce que l'on vous a dit, le chef du village, était-il convaincant? Quels sont les arguments qu'il vous a présentés? Réponse. Il n'y avait pas de message particulier ou d'argument pour nous pousser à nous joindre. J'étais très jeune. Je voulais être pour le groupe artistique du Cambodge démocratique. Moi, je ne voulais pas m'occuper des vaches. Je voulais être dans le groupe artistique. Question. Il est donc juste de dire que vous étiez tout à fait heureuse de vous joindre à ce groupe artistique et que vous n'étiez pas intéressée par la politique
ou les motifs politiques. Et quand le chef du village vous a offert cette position, vous l'avez dit oui de votre plein gré, n'est-ce pas? Réponse: oui, tout à fait. Question. Ma deuxième question. Bon, par la suite, vous avez travaillé pour le ministère de la Propagande après avoir quitté, après avoir été envoyé à Dijkerhorn. En 1975, vous avez travaillé pour le gouvernement du PCK sous Hunnim, n'est-ce pas? Réponse: oui. Il avait été responsable du ministère. Question. Pendant combien de temps êtes-vous resté avec Monsieur Hunim? Avez-vous travaillé avec lui jusqu'à sa disparition? Réponse: je suis resté au service de la propagande depuis la libération, mais en 77, j'ai été retiré. Aller faire des albums au bureau 27, près de l'ancien cinéma Soria. Question. Et à ce moment-là, Hunnim avait-il été retiré du ministère de la Propagande? Réponse: en effet, oui. Je suis allé au bureau 27 sous la supervision d'oncle Choi. Question. Vous travaillez sous le ministre Hunnim. Savez-vous pourquoi on a retiré Hunnim à l'époque? Réponse: non, je ne le savais pas. À l'époque, il y avait eu une réunion pour faire des échanges de vos expériences personnelles et des leçons que nous avions tirées. J'ai vu que le téléphone sonnait et j'ai vu qu'il avait répondu au téléphone, et c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Il a quitté dans un véhicule, on a vu qu'il portait des chaussures et un krama. Une écharpe faite à Praecho, hein. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Question. Et après qu'il ait quitté, qui l'a remplacé? Réponse: Hu Choi, ou oncle Choi, l'a remplacé. J'ai déjà dit à la cour que la section de la propagande. Que deux, en fait, deux services, y compris celui de la propagande, avaient été fusionnés. C'est Yuniat qui en avait la supervision. Question. Vous avez dit à la cour que vous vous êtes joint au groupe artistique, que vous chantiez, que vous dansiez. À part chanter et danser, vous a-t-on aussi dit de lire des textes ou des nouvelles à être diffusées à la radio? Réponse: non. Non, je n'ai pas fait ça. C'était un autre service qui s'occupait de cela, et eux avaient leur propre lecteur de nouvelles.
Moi, j'ai appartenu au groupe artistique. Je n'étais pas très instruite. Je n'avais pas le parcours académique nécessaire pour pouvoir lire les nouvelles à la radio. Sum su ta da tiet ne srei ban chlai la défense. Ma question est suivante. Vous avez dit donc en répondant à une question du co-procureur ici devant la chambre qu'en 1975, après la libération, la radio du Kampuchea démocratique a annoncé l'invasion et l'agression menées par des soldats vietnamiens dans certaines régions et certaines îles appartenant au Cambodge. Beaucoup de membres de la population ont éprouvé de la colère et ont été encouragés à se battre contre eux. Vous avez répondu à cette question la semaine dernière. Est-ce que vous vous rappelez ce qui a motivé le ministère de la Propagande à diffuser ce genre d'informations à la radio? Réponse: je ne m'en souviens pas. La défense. Question. En dehors des activités artistiques et lyriques, est-ce que le ministère de la Propagande a diffusé des informations concernant des questions de sécurité ou de défense nationale? Réponse: je regrette, mais je ne m'en souviens pas. La défense. Je vous remercie. Merci, Madame Sasiek. La défense de Nguyen Chea n'a plus de questions pour le témoin et je vous remercie de vos réponses. Le président, la parole était à l'équipe de défense de Monsieur Yeng Sari. Vous avez la parole. Maître Carnavas. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à tous. Bonjour, Madame. Je m'appelle Michael Carnavas et avec Monsieur Ang Mudong, nous représentons Monsieur Yeng Sari. J'ai simplement quelques questions, dont une qui vient dans la suite d'une question que le co-procureur vous a posée en faisant référence à votre déclaration. Je vais donc me référer à la question telle qu'elle vous a été posée par le procureur le 15 août 2012, à la page 80 en anglais, la page 68 en khmer et à la page 85 en français. On vous a demandé, je cite, lors de votre audition par les co-enquêteurs, vous avez dit avoir été au courant de la présence de M. Yeng Sari à l'endroit et vous avez dit que M. Yeng Sari travaillait au ministère des Affaires étrangères. Souhaitez-vous en dire davantage? Sinon, je m'en tiendrai là. La période dont nous parlons était le 17 avril 1975. Et votre réponse était la suivante. Non, je ne l'ai pas vu. J'en avais entendu parler.
c'est ce que vous avez dit dans votre déposition. Dans votre déclaration devant les co-juges d'instruction le 24 mars 2009, dans le document E3/379 à la page 7 en anglais, en Khmer 002948-03, en français 00385199 et en anglais 00323327. Voici la question qu'on vous a posée. Est-ce que messieurs Pol Pot, Ieng Sary et Nguyen Chia ont été vus? La réponse que vous avez donnée au co-juge d'instruction à l'époque était la suivante. Ils n'ont pas été vus, mais Ieng Sary était au ministère des Affaires étrangères à cette époque. Il s'agit à nouveau du 17 avril 1975, le contexte étant mentionné à la page précédente. Voici donc ma question, madame. Pourriez-vous nous expliquer comment cela se fait-il que vous ayez fait cette déclaration devant les co-juges d'instruction, document que vous avez signé, donc le procès-verbal résumant votre audition, vous l'avez signé en confirmant que ce qui est écrit au procès-verbal est exact et complet. Comment cela se fait-il? Réponse. J'aimerais répondre à cette question. L'audition concernait mon déplacement de Daegrohom à Phnom Penh. Et on m'a demandé si j'avais vu ces hauts dirigeants. Je leur ai dit ne pas avoir vu Ieng Sary, Pol Pot et Khieu Samphan, mais que d'autres personnes m'ont dit que Ieng Sary était chargé du ministère des Affaires étrangères. C'est tout ce dont j'avais connaissance à l'époque quant à ma signature apportée au procès-verbal d'audition. Bien sûr, le co-juge d'instruction me l'a lu, mais cette audition était assez longue. Je me sentais fatiguée, épuisée. Je n'ai pas réellement fait attention à tous les détails du procès-verbal de mon audition. Dans cette audition, j'ai fait de mon mieux de répondre du mieux que je pouvais aux questions des enquêteurs. Je peux dire que pour ma part, je pouvais parler simplement de ce que je savais, ce que j'avais vécu, et lorsque ce n'était pas clair pour moi, j'ai dit aux enquêteurs que je ne m'en souvenais pas clairement. Maître Carnavas, merci de votre réponse. Pour bien comprendre, donc, vous nous dites aujourd'hui que ce que l'enquêteur des co-juges d'instruction a écrit et ce qui vous a été lu n'est pas ce que vous leur avez dit. Le président, le co-procureur, vous avez la parole. Le coprocureur, cette représentation des propos du témoin est fausse. Elle a dit que la déclaration lui a été lue, que cela reflétait la vérité, qu'elle a essayé de tout écouter, mais que peut-être cela ne reflétait pas tout ce qu'elle avait dit. Et je tiens à dire qu'il n'y a pas d'écart entre l'audition du bureau des co-juges d'instruction et sa déposition ici au prétoire. D'après ce que j'ai vu, il n'y a pas de différence. Je ne sais pas ce qu'essaie de faire mon confrère. Maître Carnavas, avez-vous dit aux enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction avoir vu que Ieng Sary était au ministère des Affaires étrangères le 17 avril 1975?
C'est ça ma question. Et est-ce que c'est ce que vous avez dit aux enquêteurs à l'époque? Non, je ne l'ai pas vu. Le ministère des Affaires étrangères n'existait pas encore. La ville était vide. Et le ministère n'avait pas encore de bureau. C'est par la suite que j'ai appris qu'il était chargé du ministère des Affaires étrangères. La défense, ma question est très précise et répond justement à l'objection de l'accusation. Avez-vous dit aux enquêteurs, je ne vous demande ce que vous savez, pas ce que vous saviez, je vous demande si vous leur avez dit que vous saviez que M. Yangsari était au ministère des Affaires étrangères le 17 avril 1975. Réponse. Non. Je n'ai pas mentionné cela. Je n'ai pas dit que le 17 avril, M. Yangsari était au ministère des Affaires étrangères. J'ai simplement dit que M. Yangsari était chargé du ministère des Affaires étrangères. Maître Carnavas, je reviens à ce que je vous demandais tout à, je vous demandais tout à l'heure. Ici, les enquêteurs ont écrit un procès-verbal résumant votre audition. Ils vous l'ont lu et ensuite vous l'avez signé en confirmant que celui-ci reflétait la vérité. Et dans ce document, il est écrit que vous avez dit que M. Yangsari était au ministère des Affaires étrangères à ce moment-là, c'est-à-dire le 17 avril. Pourriez-vous nous expliquer qui a fait l'erreur? C'était vous ou c'était les enquêteurs ayant rédigé ce procès-verbal et qui ont écrit que c'est ce que vous leur avez dit? Le président... Témoin, veuillez attendre. Le co-avocat principal des parties civiles demande la parole. Allez-y, maître. Oui, monsieur le président, je voudrais faire une objection à cette question. Il me semble que cette dame a expliqué clairement que ce qu'elle avait dit, ça n'était pas que monsieur Yangsari était le 17 avril au ministère des Affaires étrangères. Mon confrère interprète sa réponse et cherche à convaincre cette dame qu'elle doit changer de version. Ça me paraît une façon inappropriée de la questionner. Mr. President. Maître Carnavas, Monsieur le Président, j'essaie de déterminer qui a fait l'erreur. Le procureur s'est levé et prétend que nous n'avons pas à faire des observations devant le témoin. Je ne cherche pas à orienter le témoin. La défense de Nunchea, dans ses commentaires, indiquait justement que ces procès-verbaux sont peut-être aux yeux des juges justement complets et fiables. Mais loin de là, nous avons ici un exemple où le témoin a corrigé le procès-verbal et nous lui en remercions. Mais nous souhaitons vous démontrer qu'il y a des erreurs et qu'il y a un problème que nous souhaitons soulever et trouver une solution, peut-être à un autre moment. Mais c'est un problème d'ordre général, et j'essaie de voir avec le témoin si on peut déterminer qui a fait l'erreur, car les enquêteurs ont rédigé ce document, ils le lui ont lu, et elle l'a signé, et elle nous dit aujourd'hui ne jamais l'avoir dit, que quelqu'un a fait une erreur. Elle nous dit avoir été fatiguée ce jour-là, mais je cherche à savoir pourquoi cela a été écrit sur papier et qui a fait cette erreur. Le président, le témoin est prié de répondre à la question. Réponse. Monsieur le président, permettez-moi d'éclairer cette question. Je n'ai pas vu Monsieur Yangsari à cette époque, mais
l'enquêteur m'a peut-être mal compris. Il me l'a lu, mais je n'ai pas tout suivi. C'est pour cela que je n'ai peut-être pas repéré cette partie du procès-verbal. Je regrette, mais je n'ai pas vu M. Yang Sari le 17 avril 1975. La défense. J'aimerais vous poser quelques questions sur d'autres sujets. Ce sont des questions qui vous ont été posées par le juge hier. D'abord, avez-vous participé à des réunions du comité permanent? Réponse, non, jamais. Question. Avez-vous jamais participé à des réunions du comité central? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas de l'avoir fait. Question. Vous nous avez dit avoir quelques difficultés pour lire. Au moment où vous travailliez au ministère dont vous dépendiez, vous a-t-on donné des documents du comité central ou du comité permanent afin que vous les analysiez et preniez connaissance de ce qui se passait au sein de ces comités? Réponse, non. Pas d'après mes souvenirs. Question. J'ai une autre question. Je reviens à la page 109 de la transcription d'hier en Khmer, à la page 89. Je n'ai pas la version française. On vous a posé la question suivante. Pensez-vous que les hommes-hommes aurait pu s'inquiéter que certaines informations puissent provoquer des critiques et que donc il valait mieux éviter des critiques et pour cette raison ne pas transmettre des informations. Est-ce que, à cette époque, vous étiez en mesure de savoir à quoi pensaient les hommes-hommes? Réponse, non, non, pas du tout, je n'ai rien analysé de la sorte. Maître Carnavas, je vous remercie et je n'ai plus de questions. Nous tenons à vous remercier d'avoir déposé ici de la part de M. Yang Sari, M. Angoudom et moi-même. Nous vous en remercions, nous vous souhaitons un bon retour et bonne chance. Le président. Maître, allez-y, la défense de M. Kyo Sampan, vous avez la parole. Maître Kung Somon, je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, mesdames et messieurs les juges. Bonjour à tous. Je suis Kung Somon. Je suis l'avocat national de la défense de Kyo Sampan. J'ai un certain nombre de questions à vous poser en ce qui concerne M. Kyo Sampan. Tout d'abord, j'aimerais vous demander une précision concernant ce que vous avez dit devant la Chambre. Vous avez dit avoir rencontré M. Kyo Sampan lors de certaines cérémonies bien avant 1975. Pourriez-vous nous parler de ces fêtes ou de ces cérémonies? De quoi s'agissait-il? Réponse. À Phnom Penh, il s'agissait de la cérémonie de félicitation du retour des militaires victorieux qui revenaient à Phnom Penh. Question.
Tout d'abord, j'aimerais que vous nous parliez des fêtes et des cérémonies ayant lieu avant 1975. Donc, que vous compreniez bien, je parle de la période d'avant 1975. Réponse. Avant la libération, je l'ai rencontré. Je ne me souviens pas du nom du service où je l'ai rencontré, mais notre groupe artistique a participé à une cérémonie pour moi marquer le nouvel an khmer. C'était en 1974 à peu près. La défense, merci. Combien de fois avez-vous rencontré M. Kyu Sompon dans le cadre de ces cérémonies avant 1975? Réponse. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Lorsque il était invité à cette cérémonie. Question. Pour être sûr de bien vous comprendre, rappelez-vous à quel endroit cette cérémonie s'est tenue? Réponse. C'était dans la jungle, loin de ma base. Je ne me souviens pas du nom de cet endroit ou du nom de ce service. Question. Dans la cérémonie dont vous nous parlez, est-ce que d'autres activités ont eu lieu, des activités de propagande ou de formation, ou c'était simplement pour s'amuser? Réponse. Non, il s'agissait de festivités traditionnelles avec, où on a servi du poisson, c'est tout. Je me réfère à la transcription de votre déposition. L'interprète se reprend. Je reviens au procès-verbal de votre audition par les co-juges d'instruction. Le document E3/379. Le numéro ERN en Khmer 0029 47 98, en français 0038 51 93, et en anglais 0032 33 22 à 23. Lors de votre audition, vous avez dit que vous avez été nommé par le centre du parti à faire partie de cette troupe artistique. Est-ce que vous saviez à l'époque qu'était le centre du parti? Réponse. Je savais simplement que c'était une hiérarchie. Il y avait le village, la commune, le district, les secteurs et ensuite le centre qui se trouvait au plus haut. C'était une structure hiérarchique. Et je savais que le centre était forcément supérieur au secteur et aux zones. Question. Merci.
vous avez dit, question, vous avez dit que le centre a proposé de vous transférer. Savez-vous qui a émis cette proposition et comment cela s'est passé? Est-ce que le centre a envoyé un courrier proposant de vous transférer? Réponse. On m'a sélectionné pour faire partie du groupe artistique. Monsieur Douhol s'est rendu dans la commune du secteur 20, la commune de Tchikla. Il y est allé pour inaugurer une formation. À la fin de cette formation, notre troupe artistique est allée donner une représentation devant le public. C'est à ce moment-là qu'il a remarqué mes dons pour les arts traditionnels. Et donc, on a annoncé un recrutement et ils ont sélectionné deux artistes de mon district. De chaque district. Il y avait deux artistes d'une province, deux artistes de ma province, un homme et une femme, et j'en faisais partie. Question. Merci. Est-ce qu'on peut dire donc que c'est M. Tuol qui vous a parlé du recrutement des artistes? Réponse. Non, il ne s'agissait pas d'un recrutement direct par M. Tuol. Simplement, c'est Tuol qui a constaté mes capacités artistiques et je suppose que c'est grâce à lui et grâce au directeur du groupe artistique de mon district que j'ai été présentée et proposée comme pour être transférée au niveau central. La défense. Je vous remercie. J'aimerais donc que l'on clarifie. Vous ne saviez pas si la décision avait été prise au niveau du centre, mais c'est M. Tuol et d'autres personnes qui vous ont parlé de ce recrutement. Réponse. Oui, c'est exact. C'est comme ça que je l'ai compris à l'époque. Ce recrutement s'est peut-être fait à travers M. Tuol. C'est une supposition de ma part, car il a observé ma performance. Il a donc constaté que j'étais douée et c'est lui qui était présent. Mon chef d'équipe s'appelait Pouli et c'est lui qui m'a présenté. Question. J'aimerais passer à un autre sujet maintenant. Je passe donc à la période après le 17 avril 1975. Vous avez été transféré du B20 à Storm Trang à Phnom Penh. Après avoir appris la libération de Phnom Penh. Avant de vous rendre à Phnom Penh, vous vous êtes arrêté à Phnom Atra. Vous avez dit avoir vu M. Khieu Sampan et d'autres personnes dans un jeep. Est-ce que je résume bien ce que vous avez dit dans votre déposition antérieurement? Réponse. J'en ai déjà parlé dans ma déposition. Après le 17 avril 1975, tous les membres de mon groupe est allé et nous l'avons rencontré. Il y avait une femme dans le véhicule avec lui, c'était la camarade
Yates et Mull, dont le mari était un dénommé Barn. Question. Où se trouviez-vous lorsque vous l'avez vu dans la Jeep? Réponse. J'étais dans un camion et la Jeep était proche du camion et je le connaissais très bien. Question. Rappelez-vous aujourd'hui les circonstances dans lesquelles vous l'avez vu, vous étiez à quelle distance du véhicule? Réponse. Moi, je dirais que c'est à peu près la même distance qui me sépare du président, dans le prétoire. C'est à peu près la même distance. Question. L'avez-vous vu clairement? Réponse. Oui. Très clairement. Question. J'aimerais vous poser une question à propos de votre voyage de la montagne Atlas à Phnom Penh. Vous avez dit que vous êtes arrêté à la montagne Atlas pour 3 nuits avant d'arriver à Phnom Penh. Donc, d'après nos calculs, cela vous faisait entrer à Phnom Penh le 20 avril 1975. Et vous avez dit que les hommes avaient quitté 1 heure plus tôt. Une heure ou deux. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais comment saviez-vous qu'ils avaient quitté 1 heure ou 2 plus tôt? Réponse. Eh bien, j'ai pensé que c'était cela car ils n'étaient plus là. Et il n'y avait qu'un autre groupe qui restait sur place. Question. Mais avez-vous vu s'ils ont dit au revoir avant de partir? Ont-ils peut-être fait au revoir de la main? Réponse. Je n'ai pas remarqué. Écoutez, je n'ai pas vraiment fait attention. Moi, je devais répéter les chansons. La chanson du 17 avril que nous devions chanter. La défense. Je vous remercie. Ma prochaine question. Sur un autre sujet. Je voulais maintenant vous parler du document D206.8, qui est la transcription de votre entretien. La dernière page, donc, du document en question. Peut-être ne pouvez-vous pas le lire, je vais vous le citer. ERN, en Khmer, 00. 83 34 97 en français 00 83 59 21 et en anglais 00 83 48 70. On vous a posé la question suivante. Sur les dirigeants
par exemple, mon nom de chien qui est avec que sans pain. Et là, on vous a demandé sur que sans pain. Donc, on vous pose une question à propos de que sans pain et vous répondez que quant à que sans pain, à l'époque, il était plus aux côtés de Samdak. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela aux enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction? Réponse. Oui, je m'en souviens. La défense. J'ai quelques questions de suivi à vous poser à ce sujet. Que voulez-vous dire quand vous dites qu'il était plutôt aux côtés du Samdak? Réponse. Mais je fais ici référence à son travail. Il devait beaucoup voyager dans les pays à l'étranger. Et ça, je l'ai su par les émissions radiophoniques. Je ne savais pas exactement ce qu'il faisait. D'habitude, lors des visites, on voyait qu'il rencontrait l'ancien roi. Question. Vous dites qu'il voyageait à l'étranger. Et vous avez parlé de pays. Et vous parlez de l'étranger, pas simplement de l'extérieur des zones. Réponse, oui, je parle ici des pays de l'étranger. Question. Vous parlez de 75 ou des événements précédents de cette date? Réponse. Je parlais d'après 75, mais tout de suite après 75, car cette année-là, le prince est venu au Cambodge. La défense. Mais quand vous dites après 75, ça pourrait être 76, n'est-ce pas? Réponse. C'était avant 75 que j'ai entendu l'émission de radio à propos de la visite du roi. Question. Bon, et quand vous faites référence au Samdai, de qui parlez-vous? Réponse. Je parle Samdak Ta, prince Norodom Sihanouk. La défense. Merci beaucoup, madame, pour vos réponses. J'aimerais maintenant laisser la parole à ma consoeur pour la suite de notre interrogatoire. Le président. Oui, maître, allez-y. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames, Messieurs de la Chambre, bonjour à l'ensemble des partis, bonjour également Madame Sasik. Je m'appelle Anta Guissé et je suis co-avocat international de Monsieur Kyo Sampan. Je vais également vous poser quelques questions, ce ne sera pas très long. Je voudrais tout d'abord rebondir sur une déclaration que vous avez faite tout à l'heure, répondant à mon confrère Carnavas, et vous évoquiez l'entretien que vous aviez eu avec les enquêteurs des co-juges d'instruction, et vous avez parlé du moment où vous avez relu vos déclarations, ou plus exactement, le moment où on vous a relu la déclaration, et vous avez indiqué que à ce moment-là, vous étiez fatigué et que vous n'étiez pas forcément attentive à tous les détails. Première question à ce sujet, Madame le témoin. Je voudrais que vous puissiez indiquer à la Chambre, si vous vous rappelez, combien de temps a duré cet entretien avec les enquêteurs
des coachs d'instruction. Réponse. Je regrette, mais je ne me souviens pas de la durée précise de l'entretien. Mais je dirais que ça a duré quand même un bon moment. Et en fait, l'entretien a dû se poursuivre même après le déjeuner. Est-ce que vous vous souvenez si cet entretien a duré sur une seule journée ou sur plusieurs jours? Je ne me souviens pas précisément si c'était simplement le matin et ça s'était poursuivi l'après-midi. Je regrette. Madame le témoin, peut-être pour vous rafraîchir la mémoire, et là je fais référence au document E3/379 qui est votre déclaration du 24 mars 2009, que sur la première page de ce document, en français, le RN et le 00385, donc 385192, en khmer, le RN et le 00294797. Et le numéro en anglais m'échappe pour le moment, mais il s'agit encore une fois de la première page de la déclaration. Sur cette première page, on voit que l'entretien a commencé le 24 mars 2009. Et en khmer, sur la dernière page de cette déclaration, et je donne les références, en khmer donc, ERN, 00294814. Sur cette version en khmer, on voit que l'entretien se serait terminé le 26 mars 2009. Je précise, Monsieur le Président, pour les besoins de la transcription, qu'en français, il y a apparemment une erreur de traduction puisque c'est la date du 24 mars qui figure à la dernière page, ERN en français, 00385211. Mais, Madame le témoin, comme c'est la version khmer qui est la version originale, d'après les enquêteurs, cet entretien s'est terminé le 26 mars. Est-ce que cela vous rappelle des souvenirs ? Réponse. Je ne me souviens pas si l'entretien a duré toute la journée ou simplement dans la matinée et un peu dans l'après-midi et ensuite la journée suivante. Je ne m'en souviens pas. Pas de problème, Madame le témoin. J'essayais de vous rafraîchir la mémoire, mais il n'y a pas de souci. En tout état de cause, nous sommes d'accord que pour vous, cet entretien a été long. En effet. Je vous remercie. Dans le cadre de vos réponses à Monsieur le coprocureur, vous avez indiqué à plusieurs reprises relativement à la décision du
transfert de population que vous ne saviez pas de qui venait l'ordre de transfert et que vous en avez été informé par votre chef. Ma question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez indiqué cela lors de votre entretien avec les enquêteurs des co-juges d'instruction? Est-ce que vous vous souvenez avoir bien indiqué que vous ne saviez pas de qui venait l'ordre du transfert? Je me souviens maintenant que je ne sais pas du tout qui a donné l'ordre de procéder à l'évacuation de la population. Je ne sais pas qui a conçu cette idée. Je vous remercie, Madame le témoin. Pour les besoins de la transcription, je voudrais référer le témoin à la transcription partielle du document audio D200-6.8. Le RN en français 00835914. ERN en anglais 00834863. ERN en Khmer 00833490. Je voudrais plus précisément citer au témoin la question posé par l'enquêteur, c'est sur donc cette page-là, référence 20 minutes 40 secondes. L'enquêteur Quenel vous pose la question suivante. À cette époque-là, avez-vous entendu votre chef dire le nom de la personne qui avait ordonné le transfert? Et votre réponse à l'époque, non, je ne savais rien. Est-ce que vous vous souvenez avoir tenu ces propos le 24 mars 2009 ? Je ne crois pas avoir bien saisi votre question, maître. Pourriez-vous la répéter ? Je viens de vous citer, Madame le témoin, une partie de la transcription audio de l'enregistrement de votre entretien avec les enquêteurs des co-juges d'instruction. Et la question qui vous avait été posée était, à cette époque-là, avez-vous entendu votre chef dire le nom de la personne qui avait ordonné le transfert ? Et vous aviez répondu, non, je ne savais rien. Je voulais juste confirmer avec vous que vous vous souveniez que vous aviez évoqué ce point lors de votre entretien du 24 mars 2009. Pendant cet entretien, on m'a posé des questions. Les enquêteurs m'ont posé des questions et j'ai dit que je ne savais pas qui avait donné l'ordre d'évacuer. Et je maintiens ce que j'ai dit. Je vous remercie. Je voudrais passer maintenant à un autre point de votre déposition et prendre la suite de mon confrère. Vous avez indiqué que vous avez rencontré le 17 avril 1975 M. Kyosampan sur le mont Eutereux. Et vous avez également indiqué, vous l'avez confirmé tout à l'heure à mon confrère, que
La voiture, en tout cas, de Monsieur Kyonsampan serait, selon vos souvenirs, partie avant vous. Ma question est de savoir si vous savez où ce véhicule se rendait. Non, je n'en avais aucune idée. Je ne sais pas où il allait. Je vous remercie. Si je résume ce que vous avez indiqué à la Chambre ces derniers jours, après avoir passé 3 jours du côté de Oudong, vous avez, avec votre groupe artistique, pris la direction de Phnom Penh. Vous êtes ensuite arrivé au stade olympique où vous avez passé une nuit. Et par la suite, vous êtes arrivé au ministère de la Propagande. Est-ce que je résume bien le parcours que vous avez effectué à cette période-là? Moi, j'ai quitté Chetras et j'ai passé une nuit dans une hutte au toit de feuilles de palme. Cela a pris quelques jours avant d'arriver à Phnom Penh. Et nous avons passé la journée au stade olympique. Et ce n'est que le lendemain que j'étais au service de la propagande. Très bien. Dans un premier temps, vous aviez indiqué à l'audience du 15 août que vous n'aviez pas revu M. Kyosampan après le mont Eutreux. Puis, le lendemain, le 16 août, vous avez précisé à M. le coprocureur que vous l'aviez revu finalement au ministère de la Propagande. Je voudrais essayer de voir avec vous à peu près à quelle période vous l'auriez vu. Vous êtes arrivé au ministère de la Propagande après une nuit au stade olympique. Est-ce que vous pouvez vous souvenir combien de temps après vous avez vu M. Kyosampan au ministère de la Propagande? Est-ce que c'était un jour, 2 jours, plus? Est-ce que vous vous souvenez? Oui, je me souviens qu'après que j'y étais, je l'ai vu. Mais je ne restais pas au même endroit bien longtemps, car je devais chercher du bois pour faire du feu, et j'ai vu une pièce et j'ai vu qu'il était là. D'accord. Ma question était de savoir si vous pouviez évaluer, en termes de jours, combien de temps après votre arrivée au ministère de la Propagande, vous aviez vu M. Kyosampan. Est-ce que vous pouvez évaluer selon vos souvenirs? Je ne vous demande évidemment pas une date exacte, je sais que ça fait longtemps, mais juste en termes de jours, est-ce que vous pouvez donner une évaluation? C'était le matin, vers 8 ou 9 heures du matin. J'étais au ministère de la Propagande. Je devais défaire mes paquets et aller chercher du bois pour faire le feu.
et une pièce pour y passer la nuit. Je dirais que c'est ce jour-là que je l'ai vu. Mais je l'ai vu dans l'après-midi. C'était le même jour où je suis arrivé à Phnom Penh que je l'ai vu. D'accord. Je vous remercie de cette précision. Quand vous l'avez vu, vous avez indiqué que c'est en recherchant un endroit. Enfin, est-ce que vous pouvez préciser à quel endroit du ministère de la Propagande vous l'avez vu ? Oui, bien sûr. Je l'ai vu qu'il était en face du studio numéro 5. Vous avez précisé, répondant à monsieur le coprocureur, que vous l'avez vu assis sur un lit d'acier. Est-ce que l'endroit où il se trouvait faisait partie des pièces du ministère de la Propagande qui étaient affectées à l'hébergement du personnel du ministère de la Propagande ? Au début, ce n'était pas très organisé. Mais c'était à l'intérieur de l'enceinte du ministère de la Propagande. Car j'ai su qu'il était dans le hall du studio, qui était une pièce plus grande que les autres. Puis, on a demandé aux jeunes travailleurs de rester dans un endroit non loin de là, une centaine de mètres du studio. Est-ce que vous vous souvenez combien de temps M. Kyosampan est resté dans cette pièce ? Vous avez dit, en répondant à M. le coprocureur les jours précédents, qu'il était resté quelques jours et qu'après vous ne l'aviez plus revu. Ma question est de savoir si vous vous souvenez de la durée de ces quelques jours. Non, je ne me souviens pas du nombre exact de jours. Il était là pendant quelques jours, 2-3 jours. Honem a lui aussi quitté comme Kyosampan. Et ceux qui sont restés, c'était seulement les jeunes artistes. À l'audience du 15 août 2012, vous avez effectivement évoqué la présence de Unim pendant 2-3 jours au ministère de la Propagande. Et vous aviez précisé que Unim était venu, et je vous cite, donc c'est la page 111 du transcript en français. Merci. Et pour toutes les références dans les autres langues, je rappelle que c'est à 15h53 que vous aviez donné cette réponse. Vous avez indiqué, en parlant de M. Unim, au début, il est venu au ministère de la Propagande un jour ou deux, mais les lieux d'hébergement n'étaient pas propres. Je ne sais pas où il logeait. Donc, là, c'est cette partie qui m'intéresse. Vous venez d'indiquer que, effectivement, ce n'était pas très organisé au départ, et vous aviez précisé ce jour-là que les lieux d'hébergement n'étaient pas propres. Est-ce que
le fait que les lieux d'émargement n'étaient pas propres a contribué au fait pour différentes personnes de trouver d'autres endroits pour se loger. Est-ce que vous le savez? Vous demandez ou si on cherchait un endroit où Hun Nim et Kyu Sang-Pan pouvaient loger ou pour les jeunes artistes. Pourriez-vous me préciser votre question, je vous prie? Je parle de Hun Nim et Kyu Sang-Pan. Monsieur Hu Lim et Kyu Sang-Pan étaient là pendant 3 jours et nous étions nous aussi dans la même enceinte qui était énorme. Au début, nous nous trouvions à proximité. Mais par la suite, nous avons été logés séparément et eux sont partis. Le président, la défense de Kyu Sang-Pan, pourriez-vous dire à la Chambre de combien de temps vous avez besoin pour mener à bien vos différentes questions? Je suis quasiment au terme de mon interrogatoire, Monsieur le Président. 2-3 minutes de plus me permettront de terminer. Le président, dans ce cas, veuillez poursuivre. Nous arrivons au moment de la pause de la matinée, mais puisqu'il ne vous reste que quelques minutes, vous pouvez continuer et ensuite nous prendrons la pause et nous libérerons le témoin. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame le témoin, c'est bientôt la fin. Une dernière question. Vous avez indiqué que vous avez vu M. Kyu Sang-Pan sur ce lit d'acier au ministère de la Propagande. Vous aviez précisé que vous n'avez pas discuté avec lui. Savez-vous cependant s'il est resté dans l'enceinte du ministère de la Propagande pendant ces 3 jours? Non, il n'y est pas resté durant ces 3 jours. Sa présence était temporaire, comme d'autres membres de la population d'ailleurs. Une précision, quand vous dites, je vais reformuler. Est-ce que vous l'avez vu, vous dites qu'il est resté au ministère de la Propagande pendant 2 ou 3 jours. Est-ce que vous l'avez vu chaque jour pendant ces 3 jours? Ou est-ce que vous ne l'avez vu qu'une seule fois? Il y est resté pendant 3 jours. Je l'ai vu tous les jours. Pour ses repas, des gens lui préparaient des repas. Il n'était pas accompagné de son cuisinier. Je vous remercie de ces précisions, Madame le témoin. Je vous remercie de votre patience et j'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président.
Madame. Le président, je vous remercie. Madame Sosek, nous sommes arrivés à la fin de votre déposition. Vous n'avez donc plus à rester ici. Vous pourrez rentrer chez vous ou repartir là où vous souhaiteriez aller. Nous tenons à vous remercier d'avoir passé ce temps et vous êtes efforcé à répondre aux questions posées par les partis et avoir répondu à la convocation de la Chambre. Votre déposition contribue à la détermination de la vérité. Nous vous remercions, nous vous souhaitons un bon retour chez vous. Huissier d'audience, veuillez prendre contact avec l'unité d'appui aux témoins et aux experts pour aider le témoin à rentrer chez elle ou à se rendre à la destination de son choix. La Chambre informe les partis et les membres du public qu'après la pause de ce matin, la Chambre entendra la déposition d'un autre témoin, TCW 336, et l'accusation commencera la déposition de ce témoin suivi des avocats des parties civiles. L'audience est suspendue, nous reprendrons à